Francine de Tand, voorzitter van de Brusselse Handelsrechtbank, weerlegt de beschuldigingen aan haar adres over corruptie en blijft op post. Dit kan niet volgens Olivier Minguin, federaal parlementslid en lid van de commissie Justitie. Hij reageert vanuit Frankrijk. Il est quand même difficilement imaginable qu'un magistrat, alors qu'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou voire même d'une procédure pénale, puisse continuer à exercer ses fonctions comme si de rien n'était. Justitie moet volgens Minguin haar verantwoordelijkheid nemen. Les autorités hiérarchiques au sein du pouvoir judiciaire doivent, à mon sens, pour préserver l'indépendance de la magistrature et aussi pour permettre à la présidente du tribunal de commerce de peut-être mieux se préparer à sa défense, l'inviter peut-être à faire un pas de côté. Minguin vraagt dat er snel gehandeld wordt, ook in het belang van de tand. Rien n'est pire que finalement avoir, comment dirais-je, une sorte d'enquête qui se fasse sur la place publique sans les garanties du droit de la défense pour Madame de Tand elle-même. C'est donc préjudiciable tant à la sincérité de la magistrature par rapport à son engagement d'impartialité, et c'est aussi préjudiciable quant à la confiance que doit avoir tout citoyen dans l'indépendance de la justice. Donc voilà, il faut que ce doute soit levé rapidement. Dat de politie in deze zaak rechtstreeks naar de minister van Justitie stapt, is heel delicaat volgens Magin. Hij denkt dat een nieuw onafhankelijk orgaan nodig is. C'est une réflexion qu'il faut mener en accord avec les représentants du pouvoir judiciaire, mais un organe peut-être plus indépendant du pouvoir judiciaire dans ce genre de situation s'impose.